Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique où vous habitez. Nazali Wabino, Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, de TV du Peuple, RD Congo. Voilà. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Eh bien, chers compatriotes, nous nous retrouvons encore pour nous entretenir sur trois sujets aujourd'hui. Donc, Tosali na Basujemisatu. Alors, le premier sujet, c'est un sujet à débat. Voilà, nous, de notre part, nous avons décrypté des indices sérieux de crainte d'un complot contre le président Félix Tshisekedi. Voilà. Et le deuxième sujet, ce sera la rencontre annoncée que nous allons aussi commenter ensemble. Vous aussi, vous pouvez commenter à travers les commentaires, parce que c'est possible de commenter. Alors, nous avons encore d'autres sources pour le feuilleton Paul Kagame. Eh bien, si nous nous intéressons à Paul Kagame, c'est parce que, bon, il est responsable de plus de 12 millions de morts dans notre pays. Il y a d'autres sources qui viennent du Rwanda, et cette fois-ci c'est en swahili. Nous allons vous faire entendre ça. Et il y a des indices qui montrent que il serait mort. Ben, c'est toujours conditionnel, mais bon, les sources rwandaises confirment que oui, il est mort, mais ils sont en train de cacher pour une bonne préparation de la suite. Bon, il y a également d'autres rumeurs sur les armes qui étaient cachées chez Robert Roy. Ensuite, nous allons clôturer, chers compatriotes. Voilà. Avant de continuer, chers compatriotes, nous avons un communiqué nécrologique. Nous émettons à partir de la ville de Verviers. Alors, notre compatriote, un Congolais, Ingo Akwete, d'à peu près 5 ans, 7 ans environ, il est décédé des suites du coronavirus ce 21 avril 2020. Il avait fait 2 semaines à l'hôpital. Bon, on lui avait dit que bon, c'était bon, qu'il pouvait aller à la maison. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est venu à la maison, mais bon, quelques temps après, d'après les informations, bon, on apprendra qu'il est décédé. Donc, vous verrez dans la vidéo que nous allons vous présenter que les responsables funéraires, ils viennent là le faire sortir sur une civière de son domicile. Et puis dans cette période, c'est vraiment triste. On ne sait même pas consoler ceux qui sont éprouvés. Donc on est en confinement, bah, ceux qui le peuvent. Comme on le voit, quelques-uns sont arrivés sur place, mais ils sont à distance avec des masques, chers compatriotes. Regardez. Voilà, Ingo Akwete est décédé. On l'appelait aussi Mwana Matete. Ça, c'est la rue Mullendorf de Verrier.
Il a eu un bon parcours comme un Congolais. Il est arrivé en 1991 à Verviers. Bon travailleur assidu, bon exemple pour un Congolais. Il laisse derrière lui deux immeubles, une boulangerie-pâtisserie. Il faisait aussi de la livraison. Et voilà, il est décédé une année après le décès de son épouse, qui s'appelait Pauline. Donc c'est un veuf, et il vient aussi de décéder. Et tous ses enfants maintenant sont des orphelins. Que son âme repose en paix, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, pour le compatriote Ingo Akwete, que son âme repose en paix. Maintenant, nous passons à nos sujets habituels sur la politique. Il y a des indices sérieux. Nous traversons, le pays traverse une période où il y a risque de coup d'État. Il y a des Nungunungu partout, et même si vous écoutez tous les journalistes youtubeurs, et même les journalistes professionnels, et le peuple congolais en général, il se passe des choses en coulisses. Il y a par exemple Mabunda et Tambwe Mwamba, qui s'étaient ligués depuis Kinga Kati. Ils avaient fait des réunions, ils ont tout fait pour tenir un congrès, pour créer une loi qui recadre l'état d'urgence décrété par le président de la République. Donc ils se sont dit que c'était illégal. Ouais. Et certains sont allés jusqu'à dire qu'ils ont fait outrage au président de la République, alors qu'il existait un document qui devait être déposé auprès de la Cour constitutionnelle. Alors, qui était à la manœuvre? C'est Vital Kamerhe qui était à la manœuvre, qui a freiné la correspondance qui devait arriver jusque à la Cour constitutionnelle. Alors, vigilant qu'il était, le président de la République avait dépêché Kitenge Yesu de déposer le document auprès de la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait. Et ensuite, il y a eu cette publication de la Cour constitutionnelle qui avait décidé que
L'état d'urgence décrété par le président de la République sur la base de l'article 85 de la Constitution, que c'était conforme à la Constitution, vu l'état dans lequel se trouve le pays, menacé par le coronavirus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Le président a convoqué la présidente du Parlement et le président du Sénat. Ils se sont concertés. Alors, il y a eu une autre ordonnance. Et dans cette ordonnance, nous décelons un indice qui indique que il y a prudence de la part de la présidence de la République. Alors, ça ordonne que l'Assemblée puisse siéger à part, le Sénat à part, et que les deux ne traitent que d'un seul sujet, c'est-à-dire la prorogation de l'état d'urgence. La prorogation ou la prolongation, en langage courant, de l'état d'urgence. Seulement ce sujet-là et pas un autre. Ça veut dire qu'il y a crainte que ces hypocrites-là, comme je les appelle, ils font des choses en coulisses pour surprendre le président de la République, qu'ils ne puissent pas traiter d'un autre sujet. Ça ne veut pas dire que le Congrès ne se réunira pas un jour. Bon, le Congrès se réunira. Le peuple a été vigilant. Il y avait un complot pour destituer le président de la République. Mais malgré la nouvelle ordonnance, on ne comprend pas. Il y a le professeur Njoli qui s'insurge. Qu'est-ce qu'il dit? Oh voilà! Le président de la République ne peut pas restreindre les deux chambres à ne traiter que d'un seul sujet. Non, c'est illégal. Patati patata. Ah non. Mais finalement, c'est quoi? Le professeur Ndioli, il est du MLC, il n'est pas du FCC. Il a toujours soutenu cette alternance. Mais il râle. Il râle. Il ne voit pas que les autres ont échoué. Ont échoué dans leur manigance de destituer le président de la République. Voilà, chers compatriotes, vous pouvez aussi déceler à votre façon. Moi, j'ai pu regarder à Congo Bololo, cette dame-là. Donc, fait une bonne publication concernant les armes qui ont été saisies chez Rouberoi et des militaires, des infiltrés rwandais qui étaient déjà prêts donc, à faire ce coup d'État, à l'appuyer. Parce qu'ils attendaient seulement que le Congrès destitue aille. Ensuite, ils passaient à la manœuvre. Il y a là-dessus un audio que vous pouvez écouter chez Congo Bololo qui corrobore ces faits. Voilà, chers compatriotes. Mais avant de passer à la rencontre face à face, fara-fara, comme on dit en lingala, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Alain Célé, je vais vous faire écouter. C'est pas un audio, c'est une vidéo. Vous allez la regarder. Ça parle des cachots de Rouberoi et des armes qui ont été saisies. Et puis, ça parle aussi de Paul Kagame qui serait décédé et ils ont
Ils ont des informations qui viennent directement du Rwanda. C'est toujours à prendre au conditionnel, parce que dans la presse officielle, ça n'apparaît pas. Ils sont en train de cacher, ils seraient en train de cacher l'information parce qu'ils veulent se préparer convenablement à remplacer le président Kagame par sa fille Ange Kagame. Voilà. Regardez. Zimejaa uchungu. Ninayo habari ya pili nataka kuwajulisha iliyotokea huko Kinshasa na La Rwanda. deuxième information, une Hii imekuwa rumeur. rumeur ambayo imetokea, na rumeur hii mmeisikia? Nilikuwa na verifie hizo information vizuri Elle sana, a écouté la rumeur, il a très bien kutokana na écouté sources zetu za l'information. Rwanda. Nous avons nos sources Zimetuambia au kwamba Rwanda. inawezekana. Ils nous Kagame ont dit que alikufa. c'est possible. Wao wana confirmé alikufa. Eux, Kwao ils ont alikuwa confirmé que mgonjwa. il est mort. Inawezekana ilikuwa magonjwa ya corona virus. Il est Akapelekwa huko possible que London c'était huko la alikufia. maladie de coronavirus. Na kwa sababu amekufa wameficha. Wanaendelea kuchukua zile video za zamani. Wapo wanapitisha kuonyesha kwamba Il est Kagame amekufa. décédé, il est Lakini ukweli décédé, mais il hayupo cache tena. et ils font passer des Kwa vidéos nina message anciennes. kwa watu wa Rwanda. Mwendelee kuamka na kuverifie na kuangalia hizo habari ziko namna gani. Na habari tulizo nazo kwa ajili ya Kagame kufa kwake. Wameficha. Na kwa kuficha kwao, hata wakati wa mzee Laurent Desire Kabila ilikuwa hivyo. Alipokufa Ouais, il tulijua. cache la mort, même à Lakini l'époque de Laurent walitangaza Désiré kwamba Kabila, c'était ameumia comme tu ça. lakini ni mzima Ils ont na caché. anaendelea vizuri na wakatoa habari za uongo katika TV wanasema mzee rais amewatumia salamu afya yake ni nzuri kuwapatia watu wasilalamike na ndipo hapo walifanya mapinduzi ya Joseph Kanambe kuchukua madaraka hivi sasa Rwanda baada ya kifo cha Kagame wanajiuliza itakuwaje na ndiyo maana wakaona kwamba wafanye mapinduzi Kongo haraka sana kumtoa Felix. Kuna nyumba moja kule Gombe ya Azarias Ruberwa. Walikuta C'est pour ça zaidi ya elfu que moja mia ils se tano sont wa pressés pour faire mercenaires un coup d'État au akaingia Congo vizazi rapidement vidogo. à cause de cette mort de Zote hizo Kagame. zilifungwa baada ya services zetu kumsinyale Felix. C'est comme ça qu'on a Kama trouvé des nilivyosema, armes hatuwezi kutoa nyoka au domicile de na Robert Roy. kutia krokodili. Pamoja na Felix ana makosa yake ni Mkongomani. On dit ceci en français, les linges sales, on se lave en famille. Tunajua Felix ana matatizo yake ni Mkongomani, tutatengeneza yale mambo yake sisi wenyewe. Ni yetu hayo. Lakini Ouais. hatuwezi kukubali. Félix, si ya ce que Rwanda dit est le kuchukua nôtre, nous madaraka. arrangerons entre nous. Azarias Ruberwa na wengine Nyarugabo walikuwa wamepanga kufanya coup d'état Kinshasa. Hivi Azarias ninakwambia Ruberwa, watu wengi Nyarugabo ambao voulait faire habari un coup na d'état Kinshasa. information meme RTNC haiwezi kusema kwa sababu hata Felix anaogopa. Beaucoup de gens ont toutes Hawawezi ces kusema informations, habari mais hii. même la RTNC, ils Wamefunga ont ces majeshi informations, mengi mais wa ils ont peur de mercenaires dire. kutoka Rwanda, Eritrea, Somalie, Ethiopie. Nchi nyingi sana walikuwa wamepanga kwa ajili ya kufanya mapinduzi lakini mapinduzi Il y avait des yao rebelles de ilikuwa partout, de rate. l'Érythrée, des Kwa Éthiopiens, des hiyo peuple Somaliens. congolais naendelea Ils voulaient faire une kuwajibishwa rébellion, une avocat révolution. continue notre combat continue na ndio maana walijaribu kufanya hiyo mapinduzi lakini mapinduzi haikufanikiwa na kwa kufungwa kwa Ils ont Kagame raté. haiko kufungwa kwa sababu aliiba pesa Kamere na yeye katika hiyo mipango ya mapinduzi alikuwa ndani. Na Même yeye Kamere alikuwa était ndani. dedans. Na alijua kila kitu. Il Na a ndio volé de maana l'argent parce qu'il savait que ça allait wamefungia arriver. hapa wapendi kutoa siri. Kamere amefungwa ni affaire politique kwa ajili ya hiyo mapinduzi rati. Peuple congolais amke. Kamere Hatutakubali est hata arrêté, nusu est ya udongo. emprisonné. C'est une affaire politique Kwenda aussi. Rwanda au kwa nchi yoyote. Ninataka kuambia message ninayo kwa ninyi Wanyarwanda ambao mnaishi Kongo au mlipenda kuishi Kongo. Wanaokwenda katika diaspora wanajiintegre kule. Lakini mlikimbilia Kongo, mnashindwa kujiintegre.
Azarias Ruberu alikuja kama refugee, hatujui nationalité yake alipata namna gani mpaka leo anakuwa mkongomani. Ruberu est arrivé ici comme au Congo comme réfugié, on ne sait pas comment il a eu la nationalité congolaise. Huko Marekani tunakoishi, kuna wale wa Nord America et les Africains. Lakini Nord America kio katika service immigration, hata murumia mtu mweusi, anampiga vibaya sana, na anamukontrole vibaya sana. Kwa sababu anajua asilete matatizo katika inchi ya Marekani. Lakini kama ninyo Wanyarwanda mngependa Congo, mngekuwa mna denose Wanyarwanda kutoka Rwanda na kuonyesha kwamba ninyi mko wa patriot. Lakini wakati wa Kagame mlikubali Kagame awasutenire kuchukua vifaa kutoka Rwanda ili kuleta mapigano katika inchi ya Congo. Na ndio maana tuliamua kupigana na ninyi. Dr. Billy Mlongete Jackson hata ogopa kusema wazi, tulitangaza vita, tutaendelea kupigana vita. Wageni wote watatoka katika inchi yetu. Wengine wanasema haitawezekana. Itawezekana. Kwa sababu tuna Mungu na inchi ni ya babu zetu sisi. Kwa wale wanajijua kwamba wao ni wakongomani watabaki na serikali na sheria zitafanya kazi. Kwa hiyo wakongomani, ninataka niwajulishe kwamba habari hizi tulizo nazo ndizo habari zinazokwenda kutembea sasa hivi. Na huko Kinshasa hali ni mbaya sana. Kwa hiyo watu wote wanaopanga kutumika na Wanyarwanda ili kufanya mapinduzi hamtafanikiwa. Na vijana wetu mlio katika sirtere, umeniambia kwamba majeshi mengi yanatoka Rwanda na kuingia Kongo. Unajua kwa nini? Majeshi yanaingia Rwanda Kongo ya Rwanda. Attention, il y a des militaires rwandais qui ont pénétré sur le territoire congolais. Chisekedi, lakini muelewe majeshi yanaingia kutoka Rwanda librement kuingia Mkongo. Attention, ils sont wanaogopa. Des soldats, ils ont quitté là-bas. Ils sont entrés librement. Kufa, waone namna gani watajiprotéger. Lakini hawataweza. Ils ne réussiront jamais. Sikufurahia sana kifo chake. Chers compatriotes, nous nous retrouvons encore ici sur le site de 7sur7.cd avec cette information selon laquelle Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont rencontrés en Célé. Alors, RDC, en Célé, Tshisekedi et Kabila appellent à l'unité autour de l'équipe de riposte pour combattre le COVID-19, donc le coronavirus, de cette forme-là, COVID-19. Vous voyez cette image d'illustration, elle est récente. Mais nous savons, chers compatriotes, que les rencontres de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila souvent occultent des malaises. Et c'est parfois des indices de quelque chose de très mauvais pour Félix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila a l'habitude de faire des choses en coulisses, de tirer les ficelles. Après, quand il arrive devant Félix Tshisekedi, oh, ce n'est pas moi, si tu veux, il faut l'arrêter. Il y a des vérités qui vont fuiter, parce que les vérités ont toujours fuité. Le sujet officiel qui est affiché là, l'unité autour de l'équipe de riposte pour combattre le COVID-19. Oui, ça c'est officiel. Nous allons lire l'article, mais en général, nous avons déjà tiré certaines leçons de ces rencontres. Ils se disent autre chose, en aparté, ou même sur place là, mais ça ne fuite pas. Nous lisons quand même. Il s'est tenu ce mardi 21 avril 2020 à la résidence présidentielle de la cité de Lancélé, une rencontre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila.
Kabange. Soit, nous savons que c'est des noms d'emprunt. Selon la presse présidentielle, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la pandémie du coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo. Après avoir observé une minute de silence pour la mémoire d'une vingtaine de Congolais qui sont décédés des suites du coronavirus 19, ils ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées, à en croire la même source. Ouais, aux familles éprouvées, voilà. Les deux personnalités manifestent toute leur compassion pour la centaine de Congolais qui sont infectés à l'heure actuelle et qui se retrouvent dans des structures hospitalières pour des soins appropriés. Elles leur présentent également les meilleurs vœux de prompt rétablissement, fait savoir la presse présidentielle. Ouais, c'est vrai. Oui, le coronavirus est là, mais chers compatriotes, je jure par tous les dieux que il ne s'agit pas vraiment de ça. Je lis la dernière phrase. En outre, Félix Tshisekedi a, selon la presse présidentielle, remercier le sénateur à vie, Joseph Kabila, pour son engagement dans cette lutte et sa décision de mettre à la disposition du gouvernement provincial du Sud Kivu l'hôpital Maman Sifa de Makobola pour la prise en charge des malades du coronavirus par Jefté Kitsita. Bon, est-ce que cet hôpital-là, il a construit avec quel fonds? Est-ce que c'est son hôpital privé ou est-ce un hôpital qui appartient à l'État? De toutes les façons, je suis sûr et certain que cet hôpital-là, c'est un blanchiment d'argent. Je n'ai pas dit blanchissement. Parce que blanchissement, c'est autre chose. Mais là, c'est blanchiment d'argent. Voilà. Eh oui, c'est triste, chers compatriotes. Ça cache beaucoup de malaise. Et pourquoi en ce moment? Ils ont tellement déstabilisé le président sans tenir compte même qu'il y avait le coronavirus. Et c'est le sénateur... Avi qui vient voir le président pour appeler à l'unité autour de l'équipe de riposte pour combattre le coronavirus, le COVID-19. Ouais, c'est drôle. Voilà, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou. Benobikanambote, Wandugwapenzi, Tuna Maliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikanambote, Betutamalana, Mbasi. Bala Betuba suive, Shalai Bip, Nitumunan, Chikondo Chikwabuku Video, Mukwabu, Ana Lingo Amboshila.